Je me suis fait débarquer là, sur la côte est du Groenland, tout au fond du Scoresbysund, le plus grand système de fjords du monde. Le dernier village inuit, Itokotormit, est à plus de 10 heures de bateau rapide. Cent kilomètres de terres inondées, de grands lacs, de rivières, de montagnes et de glaciers, jamais explorés. Il y a des chances que ce soit pas facile. On rêvait tellement d'explorer ce coin d'Arctique et de réussir à mener nos projets scientifiques. On avait à peine 2 mois pour réussir notre coup. Et dès qu'on a pu s'installer, on a pris une grosse claque. Les paysages, les bruits, les animaux, les ciels, les lumières, tout est puissant ici. Pendant l'essentiel de notre aventure dans le fjord du Scoresby, on a alterné exploration, portage et mesures scientifiques. Des analyses qui vont notamment permettre de mieux connaître le rôle des eaux de fonte sur le glissement des glaciers. Et donc, de préciser l'impact du réchauffement climatique sur l'accélération de la déglaciation du Groenland. Oh, le chantier, quoi!